Salut Dorotin, et aujourd'hui on se retrouve pour la petite FAQ. Alors j'étais un peu triste. Pourquoi? Parce que il y a 4 personnes qui ont répondu. Mais bon, je vous en veux pas, c'est pour ça que maintenant, ce que je ferai, c'est que vous pourrez me poser des questions dans n'importe quelle vidéo. Enfin, dans les vidéos qui seront avant les FAQ. Et vous pourrez, je les sélectionnerai et elles passeront dans les prochaines FAQ. Donc avant de commencer, oui, vous voyez qu'on est dehors. On est dans mon jardin. Voilà. Donc, pour commencer, première question de Gilles First. Alors, pourquoi tu joues que les chats dans War Thunder? Eh bien, mon cher ami Gilles First, c'est très simple. C'est parce que il n'y a que les chats qui sont jouables. Et puis, en fait, quand il y a... Les avions, c'est très compliqué. Moi, désolé, avec mon avion, je vide mon chargeur complet sur un bombardier ou un chasseur. Il meurt pas, celui me donne une petite rafale avec des 4-5 balles. Et bon, là, elle explose. Je comprends pas et je préfère vraiment les tanks. Après, pourquoi fais-tu des vidéos de présentation d'armes? Or, je vais réitérer, ce ne sont pas des armes, ce sont des répliques d'airsoft. Si tu dis ça, tu vas te faire virer du terrain d'airsoft. Donc, j'en fais pour vous faire présenter mes répliques. Pour ceux qui aiment aussi ou qui en font, voir certaines répliques, si tu peux les conseiller, peut-être qu'ils auront envie de les acheter après. Après, l'autre question, ça serait quel autre jeu vas-tu jouer dans la vie? Et dans l'avenir, déjà, je devrais vous refaire des vidéos sur Verdun 14. Après, je vais en refaire aussi sur Red Orchestra. Là, je réfléchis, bientôt, je vais vous en refaire une sur War Thunder. Plein de jeux, je pourrais pas tout te dire. Après, question de Périgon 31. Vas-tu mettre les vidéos en ligne de tes explorations de bunker avec Axel Black? Mon cher ami Périgon, logiquement oui, il y aura peut-être même une suite pendant les prochaines vacances, si nous voyons avec Axel. Mais oui, je les posterai peut-être après cette vidéo. Vas-tu commencer à faire des montages vidéo? Même si ce que tu fais en ce moment, tu as fait des gros efforts de qualité. Vacances égale du temps, peut-être. Merci pour me dire que la qualité a augmenté. C'est normal, sur mon PC, je peux filmer avec une application, pas sur ma console. As-tu des nouvelles sur les clés Steam que je devais avoir gratos? Oui, en fait le site c'est vraiment des enfoirés. C'est par rapport à tel jeu que vous voulez, ils vous demandent trop d'abonnés et ça c'est pas jouable pour moi, donc c'est pour ça que j'ai arrêté, je ne les aurai pas. Donc les vidéos sur Day of War ne seront jamais là, sauf quand le jeu sortira réellement et je l'aurai acheté. Après, question de Foxy. Tu connais NCS Relight? Non, je ne connais pas. Mon ami Foxy, tu m'expliqueras ce que c'est. Tu en parles de ça dans la prochaine fois qu'on se verra. Encore une bonne intro et un bon logiciel de montage. Tu oses dire quoi à propos de mon intro? Non, je rigole. Sérieusement, oui, j'avoue, l'intro, il faudra que je m'y mette à en faire une vraie créée par moi. Et le montage, c'est que j'ai pas le temps. Brevet à la fin de l'année, j'ai pas vraiment le temps. Après, PS, c'est quoi la taille de ton pénis? Vous avez jamais compris, Elidor 21? Non, je rigole, et il l'a mis pour lui. Merci de mettre une blague humoristique, j'avais dit, vous pouvez déconner, vous avez été très sérieux. Il n'y a que Foxy qui a déconné. Mais bon. Après, question de Axel Black. Voilà, alors. Quelle est la chanson et le groupe que j'écoute le plus? Si c'est...
sauf si c'est plusieurs, il faut que je les dise quand même. Et bah écoute, mon cher ami Axel Black, c'est vrai, j'en ai plusieurs. Alors déjà, j'ai Rise Against the Machine, avec la chanson Bomb Strike. J'ai Sabaton, alors là par contre, je pourrais pas vous donner ma musique préférée, mais presque. Ah si, ma préférée c'est Panzerkampf. Après, il y a du Rammstein avec Motor. Il y a Nirvana avec My Girl, comme chanson. Et plein d'autres groupes, je pourrais pas tous les citer comme ça. Je m'en souviens plus de leur prénom. Bah, précisément tout ce qui est rock. Tout ce qui est rock, et j'aime bien un peu la musique classique, dont Beethoven, comment il s'appelait, Wagner, voilà. Après. Alors, quels sont tes projets en airsoft et aussi sur YouTube? Eh ben, mes projets en airsoft en ce moment, c'est de enfin commencer à me faire une tenue de soldat allemand pour au niveau des répliques et de me faire une tenue pour mon airsoft les deux. Et mon projet YouTube, ma projet YouTube, ça serait de monter à 300 abonnés, 400 peut-être. Et d'améliorer le contenu sur la chaîne. Et après, en question. Merci pour ton. Pour dire que mes vidéos sont de plus en plus plaisantes. Donc voilà, la vidéo va se finir. Alors, si j'ai eu une autre question d'un pote. Il a jamais fait de vidéo, mais il m'a posé la question comme ça oralement aujourd'hui en cours, bah, au collège. Il m'a posé la question, bah, pourquoi j'étais enrhumé, j'avais le nez tout rouge, voilà, et j'arrêtais pas d'éternuer. Bah, mon cher ami, c'est parce que je suis comme la plus grosse partie des gens, j'ai une allergie, c'est allergie au pollen des graminées, qui vient juste de se déclarer avec le printemps qui est enfin arrivé. Or certes, pour vous le printemps ça peut être bien, pour moi c'est bien et mauvais. Donc je pense que dans beaucoup de mes vidéos je reniflerai un peu parce que j'aurai le nez qui coule beaucoup. Donc aussi je vous préviens, alors, c'est en cours de réflexion, logiquement pendant les vacances d'été je vais produire une série modée avec Foxy et Fred. On est en train d'en parler, on est en train de tout voir et on va préparé et je vous redirai à l'occasion si c'est toujours un projet ou pas. Bon écoutez, on va se laisser. Or moi je vais vous poser une petite question à vous et vous me répondrez en commentaire. S'il y avait une seule chose que vous devriez voir sur ma chaîne, qu'est-ce que ça serait? Allez, à la prochaine, bye, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos et peace!